AFC Energy PLC, a annoncé avoir reçu sa première commande de piles à combustible à hydrogène, de la part du géant suisse des systèmes électriques, ABB. Le système de 200 kW sera utilisé pour alimenter un système de recharge pour véhicules électriques. Dans le cadre du contrat entre les sociétés, ABB paiera le montant total de 4 millions de livres sterling en trois étapes distinctes. Les deux premiers millions de livres sterling seront versés lors de la signature initiale du contrat. Ensuite, il y aura deux paiements de 1 million de livres chacun, qui seront versés en cours de route, à mesure que divers jalons de déploiement seront atteints. Cette annonce faisait suite à une autre, selon laquelle ABB avait reçu 4 millions de livres sterling de bons de souscription, pour souscrire à 6 802 720 actions ordinaires AFC. Cela a eu lieu à un prix d'exercice de 58,8 pence. Le système de piles à combustible à hydrogène dense et haute puissance de la série S, a utilisé pour la charge V haute puissance. Les entreprises étaient déjà associées depuis l'année dernière, lorsqu'elles ont signé un accord de développement commun en décembre. De plus, le premier semestre de l'année a vu les entreprises tester la plus petite sérielle de la technologie des piles à combustible d'ACV. Ce test impliquait d'alimenter l'infrastructure de charge EV d'ABB. AFC livrera désormais son système de piles à combustible à hydrogène de la série S au début de 2023, avant la date prévue. Selon AFC, il est en avance sur son plan initial et disposera de la technologie de membrane échangeuse d'anion S-série au début de 2023. La société a également déclaré que son générateur à hydrogène démontrera une densité d'énergie leader sur le marché, à partir d'une pile à combustible à membrane échangeuse d'anion, et sera logé dans un conteneur d'environ la taille d'un conteneur d'expédition de 10 pieds. De plus, ce générateur pourra utiliser à la fois de l'H2 et de l'ammoniac, qui est un vecteur d'hydrogène, comme principale charge d'alimentation. Les deux sociétés sont engagées sur divers marchés avec des clients potentiels, car la spécification du produit des piles à combustible à hydrogène de 200 kW de la série S permet également de l'appliquer à d'autres marchés, tels que les marchés maritimes, des centres de données, et hors réseau. Merci d'avoir choisi hydrogenfuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.